On met la pression sur la très très bonne question. En France, on consomme deux fois plus de vin que de bière. Pourtant, cette fermentation, à base d'eau, d'orge germée et de houblon, commence à mettre la pression sur la capitale. Des cavistes monomaniaques ouvrent à tour de store, les restaurants prennent de la bouteille et des brasseries artisanales se multiplient. Alors, Paris mousse-t-il ? On démarre dans le 13e, rue de l'Espérance, où le dernier caviste à se faire mousser s'appelle Biérocratie. À sa tête, et avec l'accent américain, Jacqueline Giddle. Ça y est, la bière artisanale arrive enfin à Paris ? Les Parisiens ont plus d'habitude de boire la bière artisanale, on a des microbrasseries partout. C'était un peu surprenant pour les gens dans le quartier au début. Il y avait quelques-uns qui avaient déjà vu cette idée, donc ça y est. Mais après, il y a des gens qui disaient, mais vraiment que la bière, on ne savait pas qu'autant de bières existaient. Elle vient d'où, cette nouvelle culture de la bière ? Ça fait peut-être 15 ans qu'on voit aux États-Unis un grand mouvement de la bière artisanale. Maintenant, on le voit un peu partout en Europe et il y a beaucoup d'échanges de gens de brasseries européennes, américaines, un peu partout qui commencent à vraiment partager des idées. Et c'est un peu grâce à ça qu'on voit toutes ces nouvelles idées et des modes différents. C'est vrai, avant, en France, il n'y avait pas autant de bières bien houblonnées ou des choses comme ça. Et là, les brasseurs se multiplient. Les brasseurs, mais non, ils sont partout, Île-de-France, dans le nord, le sud, partout, partout. Vous compilez quel type de capsule ? Pour nous, c'est surtout, on essaie de mettre en avant les bières françaises, des bières locales, etc. Parce que ça, c'est important pour nous de les faire découvrir. Après, nous avons beaucoup de bières artisanales un peu partout en Europe, aussi un peu des États-Unis, du Québec. Preuve de cette nouvelle dynamique, la bière des 11, où quand 11 brasseurs franciliens unissent leur savoir-faire dans une délicieuse cuvée made in Paris. Montreuil, rue de la Fraternité, on file au 71 dans une ancienne imprimerie fraîchement reconvertie en brasserie, Deck & Donohue. Le binôme Thomas Deck et Mike Donohue brassent en pleine ville. Nos matières premières viennent de l'extérieur, mais on peut brasser très bien en centre-ville et du coup ça nous permet d'être très proche de nos clients. Il y a une vraie explosion en ce moment du nombre de brasseries, je crois qu'il y en avait une centaine au début du siècle et on en est maintenant à plus de 500 brasseries. Tout le mouvement, le renouveau des craft breweries, ça s'est passé vraiment aux États-Unis et c'est en train d'arriver en Europe. Vous vous fournissez où ? On travaille avec une malterie qui est à une centaine de kilomètres de Paris. Un des aspects du renouveau de la brasserie, c'est vraiment l'utilisation du houblon. Pas juste pour donner de l'amertume, mais aussi pour essayer de donner du parfum et du goût. On achète du houblon en Alsace, en Allemagne et aux États-Unis selon les variétés. Le point de départ, c'est le malt. On reçoit l'orge maltée. Donc maltée, ça veut dire que l'orge a été trempée dans de l'eau pour le faire germer et qu'il a ensuite été séché plus ou moins longtemps et à plus ou moins haute température pour lui donner différents types de couleurs et différents types de goûts. Donc il va pouvoir être très clair et très blond pour une bière blonde jusqu'à être carrément torréfié et avoir un grand arôme de chocolat, de café, pour des bières brunes et des bières un petit peu plus prononcées en goût. Et la main du brasseur ? Nous, notre travail de brasseur, c'est de choisir les malts qu'on va utiliser pour chaque bière. Et ensuite, la première étape du processus de brassage, ça va être de cuire ces malts dans cette cuve, et on va essayer d'équilibrer le côté sucré avec de l'amertume. Donc on va faire bouillir notre jus sucré de céréales pendant une heure et demie, en ajoutant du houblon. À la fin de la journée de brassage, donc on a un jus sucré et amer et bouillant. Et on va donc le refroidir et l'envoyer dans une des cuves de fermentation. Et c'est là qu'on va ajouter la levure. Et la levure va transformer le sucre des céréales en alcool et en gaz carbonique, ce qui donne la pétillance à la bière. Selon le maltage de l'alcool, on obtient une bière qui tire du blond à l'ambré et libère des arômes qui balayent de l'agrume jusqu'au cacao. Résultat, ces bières artisanales se font une place au restaurant. Mieux, avenue Jean Écart, on accorde même la cuisine à la bière dans un nouveau restaurant face à la cave éponyme, la Fine Mousse. Le nom du sommelier, Romain Thieffry. On fait découvrir les accords qu'on peut faire autour de la bière, qui sont évidemment d'une multitude incroyable et qui sont souvent méconnus et en plus sous-estimés. Il y a autant de possibilités qu'avec l'accord mets-vins ?
Il y a beaucoup de boissons sur lesquelles on peut faire des accords, principalement quand on a une grande palette aromatique et gustative. Et là, on est sur un produit qui a au moins une palette équivalente à celle du vin, pas la même, justement. C'est ça qui est intéressant. On peut décaler d'autres choses et explorer d'autres domaines. Mais le principe de base est le même et on a la chance d'être sur un produit qui, potentiellement, vu les ingrédients et la main de l'homme qui rentre en jeu, on est vraiment entre un travail qui pourrait ressembler à un travail de vigneron et un travail de cuisinier. Donc on a une palette gustative et aromatique qui peut être très, très, très large et on peut s'amuser dans beaucoup de directions au niveau des accords. C'est donc un vrai renouveau. On a des produits locaux à Paris, en France, qui sont d'excellents produits, qui commencent à jouer vraiment sur la scène internationale, c'est ce qui peut se faire de mieux. Et le public est petit à petit éduqué. Pour escorter cette bonite à l'asperge des bois, signée William Ronson, on boit quoi ? Nous sommes sur une bière parisienne, bio, la Vol Céleste de printemps, une bière saisonnière. Le principe là, c'est d'avoir une bière qui va avoir une base maltée. Le côté céréal, ça joue très bien sur le poisson. Et c'est une bière de printemps, donc le brasseur a travaillé son houblonnage de manière à avoir des notes florales et aussi un peu fruitées sur les fruits jaunes et les agrumes. C'est vrai que l'accord sonne juste. Et avec le magret à la poire, qui a légèrement caramélisé. C'est un choix de sommelier, là on va plus loin que le plat et la bière a un côté fumé et on décide de recouvrir un peu l'ensemble du plat avec ce côté fumé. Une belle allemande ambrée avec des notes tourbées. Sans parler de l'étonnant mariage, bière fromage, qui réserve lui aussi bien des surprises. On récapitule, entre les cavistes, les brasseurs et les restaurants, la bière se libère et fait pétiller Paris.